Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal télévisé en langue française de ce mercredi 3 novembre 2021, dont voici le sommaire. Le carburant est devenu une denrée rare depuis plusieurs jours dans la ville de Bujumbura, de même que dans d'autres localités du pays. Les automobilistes se plaignent comme quoi leurs activités sont paralysées. Les hommes d'affaires vont se connaître facilement en vue de faciliter leur commerce, et cela via la plateforme Mensa de la banque Afrexim Bank. Les combats au Tigré et en Éthiopie font rage entre les forces pro-gouvernementales et les rebelles du TPLF. En état d'urgence a été décrété dans ce pays. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. La qualification du mot génocide des massacres commis contre les Hutus au Burundi de 1972 permettra à l'opinion tant nationale qu'internationale à connaître réellement ce qui s'est passé dans le pays. Pour le président du collectif des rescapés et victimes du génocide des Hutus contre du génocide de 1972, cette qualification aidera d'ailleurs aux Burundais de se réconcilier. Il le dit au moment où certains partis politiques, associations et de victimes et institutions se sont déjà exprimés en réclamant eux aussi cette qualification. Suivez François-Xavier Nsabimana. Nous répondons qu'effectivement, la qualification des événements de 1972 permettra aux Burundais de se réconcilier, parce que, primo, tous les Burundais vont savoir ce qui s'est réellement passé en 1972 contre les Hutus du Burundi. Ils vont savoir si ce qui s'est réellement passé sont des simples massacres contre les Hutus du Burundi, ou si ce sont des crimes contre l'humanité, ou si c'est un génocide. Maintenant, si la qualification est terminée et qu'on trouve que c'est un génocide qui a été commis contre les nôtres, il y a des conséquences qui devront s'en suivre, notamment les réparations. Les réparations qui doivent être faites à l'endroit des victimes. Parce que, au cours des événements de 1972, certaines victimes, pour ne pas dire la plupart, ont été dépouillés de leurs biens. D'autres ont été chassés de leurs biens, pour ne pas dire ont été spoliés. C'est pour ceux qui n'étaient pas tués. Et toutes ces victimes ont besoin qu'il y ait réparation. Également, au sein de notre collectif, nous créons toujours justice. Il faut que les victimes et les rescapés de 1972 aient la justice équitable. C'est vrai, nous reconnaissons et nous apprécions à juste titre que le gouvernement du Burundi a mis en place la commission Terre et autres biens et la Cour spéciale Terre et autres biens
sont à l'œuvre, mais des efforts doivent être fournis pour que les victimes et les rescapés aient cette justice. Et du côté de l'association AC Génocide Chilimoso, aucune institution ou commission n'est compétente à qualifier de génocide les crimes commis à un certain moment. Pour le vice-président, en même temps porte-parole de cette association, il faut plutôt impliquer des gens neutres dans les enquêtes pour établir les responsabilités. Et selon Terence Mouchano, les Burundais arriveront à cette réconciliation une fois que le processus d'enquête suivra le cours normal. Suivez Terence Mouchano. La qualification du génocide en général, non seulement celui du Burundi, ne peut pas être qualifiée ni par le gouvernement en place, ni par les institutions différentes, notamment le Sénat, notamment l'Assemblée nationale, ni des partis politiques, ni des organisations de lutte contre les marginalisations, les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre. Une illustration. Au Rwanda, Pour que le génocide des Tutsis du Rwanda soit qualifié, ça a été qualifié dans une deuxième séance au siège des Nations Unies à New York, parce que l'Organisation des Nations Unies, après avoir mis en place le Tribunal pénal international pour le Rwanda TPIR, quand ils étaient au cours du procès, quand ils étaient en train de discuter, de parler devant le tribunal, les Hutus paraient que ce sont eux qui ont subi le génocide. Les Tutsis disaient que ce sont eux qui ont subi le génocide. Il a fallu que le tribunal pénal international pour le Rwanda interroge le Conseil de sécurité des Nations Unies si c'est le génocide des Tutsis ou si c'est le génocide des Hutus. Après avoir analysé les preuves, les témoignages, notamment de Roméo Dallaire, du général Roméo Dallaire, a déclaré, a qualifié que c'est le génocide des Tutsis. Ce cas d'espèce devrait inspirer le Burundi. Le gouvernement du Burundi devrait se référer au Conseil de sécurité des Nations Unies pour se renseigner si 1972 ça a été commis le génocide des Hutus, si c'est le génocide des Tutsis. Il ne revient pas au collectif des survivants des victimes Hutus, il ne revient pas à ces génocides, il ne revient pas au gouvernement du Burundi, il ne revient pas aux institutions différentes du Burundi de qualifier ce crime. Donc, passons par l'itinéraire, la voie la mieux indiquée. Après, c'est la justice qui réconcilie. C'est à travers la justice que la vérité passe. Je vous le disais dans les titres, le manque criant de carburant s'observe sur plusieurs stations-service de la ville de Bujumbura. Les automobilistes rencontrés sur de longues files d'attente à la station-service Petro Moura dans l'avant-midi de son mercredi indiquent que le manque de carburant perturbent leur quotidien et ces derniers demandent à l'administration de trouver solution à ce problème. Reportage de Nicole Ninina-Hadzoué. Ce désordre qui règne dans différentes stations-service de la ville de Bujumbura est dû au problème d'approvisionnement du carburant qui est devenu une denrée rare ces jours-ci. Dans les stations-service où nous avons pu nous rendre, certaines étaient dépourvues de carburant, d'autres en avaient, comme la station communément appelée chez Katikati et à la station Petro Moura. Cette situation devient insupportable pour les conducteurs, comme l'indiquent ces conducteurs de taxi
qui disent travailler à perte. J'étais ici vers 7h du matin. Il est déjà 10h et j'attends toujours le carburant. Je viens de Mukongomanga. Je suis venu ici à 7h pour chercher le carburant. Mais jusque-là, je n'ai pas encore été servi. Aujourd'hui, ma famille et moi n'allons pas manger. Pourtant, on ne cesse de payer les impôts. À quoi servent-ils? Ces conducteurs dénoncent aussi la façon dont ce carburant se distribue. Je suis arrivé tôt le matin. On a vu venir un camion citerne. Puis le gérant de cette station nous a dit que ce camion contenait seulement du mazout. Et on est parti de là quelques minutes après. Un ami m'a dit avoir vu les pompistes distribuer de l'essence. Les gens qui travaillent dans les stations-service ne distribuent pas de carburant comme il le fallait. Il le faut souvent par affinité. Toutes ces personnes appellent l'administration à régler vite ce problème et demandent le suivi dans la distribution de ce carburant. Merci Nicole, Nina Hadoué pour ce reportage. Poursuivons ce journal par cette page commerce. La mise en place d'une bonne politique commerciale et faciliter l'accès à l'information pour connaître mieux son client et l'octroi des devises sont quelques-unes des solutions pour résoudre les problèmes rencontrés par les commerçants qui vont travailler dans la plateforme Mensa de la banque Afrexim Bank. Maureen Ba, responsable de cette plateforme numérique, dit que les opportunités sont multiples. Elle a dit ce mercredi lors du lancement de cette plateforme numérique. Le point avec Jean-Marie Mayonga. La réunion organisée par l'association des commerçants du Burundi Akobu, organisation East African Business Council ABC et la banque africaine d'import-export Afrexim Bank avait pour but d'échanger sur les opportunités de la plateforme Mensa des marchés. Maureen Mba, responsable de la plateforme de diligence raisonnable des clients en Afrique, dit que la plateforme aidera dans la réduction du risque de non-conformité et des coûts de conformité pour les banques internationales et les entités commerciales mondiales. Ça va vous donner la bonne gouvernance, ainsi que ça va vous donner l'occasion pour transformer les premières matières en produits qui sont déjà pour consommation. Il y a beaucoup d'avantages. C'est une plateforme aussi qui va vous donner l'opportunité de vendre vos produits et aussi acheter avec le devise du pays. Au lieu de chercher le dollar, le pound sterling, le euro et tout ça. Donc vous avez l'avantage d'utiliser votre propre devise au pays. Il y a aussi la plateforme pour le donner, base donnée, des informations sur le commerce en Afrique aussi. Mais la plateforme Mensa, c'est surtout sur le KYC, avoir des informations sur des entreprises, sur des grandes et moyennes entreprises et petites entreprises aussi. Donc avec cette plateforme Mensa, vous aurez tout. Inspecteur général au ministère du Commerce, Chrysologue Moutoua, dit que la plateforme Mensa vient lever les entraves et les coûts et les risques liés aux prêts seront minimisés. Nous venons de lancer la plateforme numérique Mensa qui va aider les opérateurs économiques à pouvoir s'informer mutuellement en se connectant parce que toutes les informations seront digitalisées et ceci sera fait grâce à l'appui de la banque Afrexim Bank qui a été pris comme leader au niveau africain dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine pour pouvoir mettre en réseau les opérateurs économiques ainsi que les autres institutions qui auront besoin de pouvoir se connecter à ce réseau. Ici, c'est un vaste marché qui est là. Alors, ça sera une opportunité pour nos opérateurs économiques pour pouvoir s'informer et avoir à des coûts moindres les marchandises ou également voir où pouvoir exporter leurs marchandises.
Cette réunion a vu la participation des chefs des entreprises, les institutions financières et les hauts cadres du gouvernement. En Afrique, Mansa compte déjà 51 pays qui sont déjà membres de cette plateforme. La réunion s'est clôturée en échangeant sur différents points par la projection des images montrant les avantages de cette plateforme Mansa. La société Alpha Solutions, chargée d'évacuer des immondices dans les ménages, refute les allégations comme quoi elle fait collecter de l'argent sans toutefois aller évacuer ses déchets. Elle annonce que c'est plutôt la population qui refuse de collaborer. Elle demande à la administration locale d'aider dans la sensibilisation à la population sur les dangers de ces déchets. Suivez Claude Hategekimana, un des dirigeants de cette société. En ce qui concerne le fait que nous leur faisons payer de l'argent, cela est faux. Cette question a une genèse. Notre société est constituée en grande partie par les natifs de Buyenzi. C'est nous qui connaissons les problèmes de Buyenzi. Mais les sociétés qui sont venues avant ne savaient rien de Buyenzi. Nous sommes rendus compte qu'ils venaient leur demander de l'argent sans pour autant prendre leurs déchets ménagers, car ils ne vivaient pas à cet endroit et nous sommes victimes de cette situation. C'est pour ça qu'il est difficile pour la population de comprendre le bien de payer cet argent. Notre camion s'arrête au numéro 60. De là, nos employés vont de maison en maison, tout près du train où on jette les ordures. Ils évacuent les déchets pour les mettre dans le camion afin d'aller les jeter dans le dépotoir. Le problème, c'est que certains des ménages nous disent ne pas avoir des déchets ménagers et disent qu'ils les versent là. L'insalubrité est un travail de tout le monde, la société, l'administration locale et la population. Nous demandons à l'administration locale de sensibiliser la population que c'est interdit de jeter les déchets n'importe où, surtout dans ces trains près de Nahangwa. Qu'ils essayent également de punir ceux qui transgressent cette interdiction, car ce qui montre qu'ils ne sont pas punis est que même ceux qui viennent d'autres quartiers pour faire le commerce ambulant ici jettent leurs déchets dans ces trains près de Nahangwa. Si l'administration locale pouvait nous aider en sensibilisant et en punissant si besoin, je pense que ce problème prendrait fin et nous pourrions bien accomplir ce travail qui nous a été confié par la mairie. Actualité internationale avant de boucler ce journal. En Éthiopie, le gouvernement a décrété l'état d'urgence dans tout le pays. Les combats font rage entre les forces pro-gouvernementales et les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré, TPLF. Ce front a revendiqué ces derniers jours la prise de deux villes stratégiques à 400 km de la capitale d'Addis Abeba. C'est un reportage de nos confrères de France 24. Le gouvernement éthiopien brandit la menace d'un conflit généralisé. Addis Abeba vient de déclarer l'état d'urgence pour au moins 6 mois dans tout le pays. La déclaration d'état d'urgence sera présentée à la Chambre des représentants du peuple dans les 48 heures et sera promulguée. Mais sa mise en œuvre commencera dès maintenant, au moment de sa déclaration. Cette décision intervient 2 jours après que le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé les habitants à prendre eux-mêmes les armes pour repousser les combattants du TPLF, les forces du Front populaire de libération du Tigré. Les rebelles ont revendiqué ce week-end d'importantes avancées territoriales. Malgré les démentis du gouvernement, ils affirment avoir pris 2 villes stratégiques, Dessi et Kombolcha, dans la région d'Amara, à quelques 400 km de la capitale. Si pour atteindre nos objectifs au Tigré, nous devons marcher sur Addis Abeba, nous le ferons. Mais nous ne disons pas que nous marcherons sur Addis Abeba. Depuis novembre 2020, les forces tigréennes font face aux troupes gouvernementales dans le nord du pays. En un an de conflit, malgré les appels internationaux au cessez-le-feu, des milliers de civils ont été tués. Dans le nord de l'Éthiopie, la situation humanitaire est désastreuse.
Plus de 2,5 millions de personnes ont fui leur maison. Dans l'État du Tigré, plus de 5 millions de personnes sont en besoin urgent de nourriture, selon le Programme alimentaire mondial. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Et ça a été un plaisir pour moi de vous présenter ces journaux durant ces 3 jours. Très bonne suite des programmes sur la RTI. Au revoir.